Je n'ai jamais connu Sherlock Holmes mieux en forme au point de vue physique et moral qu'au cours de l'année 1895. Sa renommée grandissante lui avait amené une clientèle immense. Et ce serait une indiscrétion de ma part de faire connaître le nom des augustes personnes qui franchirent le seuil de notre appartement de Baker Street. Holmes, cependant, comme tous les grands artistes, ne vivait que pour son art et sauf dans l'affaire du duc d'Oldarnès, je l'ai rarement vu réclamer une grosse récompense pour prix de ses services inestimables. Il était si peu mondain ou si capricieux, que souvent je l'ai vu refuser son aide aux personnes riches et haut placées dont les affaires ne lui convenaient pas, pour consacrer des semaines d'études compliquées à des problèmes intéressants des clients plus humbles, mais dont les aspects dramatiques fascinait son imagination et son intelligence pendant cette année mémorable une succession d'affaires plus étranges les unes que les autres avait occupé son attention depuis l'enquête restée fameuse sur la mort soudaine du cardinal Torca à laquelle il procéda sur le désir de sa sainteté jusqu'à l'arrestation de Wilson le fameux éleveur de Canaries, qui débarrassa Londres d'un des plus dangereux criminels à la suite de ces deux fameuses affaires survint ce drame de Woolmansley la mort du capitaine Peter Carré entouré de circonstances si mystérieuses l'histoire des faits et gestes de sherlock holmes resterait incomplète si je ne me décidais à faire le récit de cette aventure extraordinaire pendant la première semaine de juillet mon ami s'était absenté de notre appartement si souvent et pendant si longtemps que je pensais bien qu'il avait quelque chose en train. Ce fait, que plusieurs individus de mauvaise mine étaient venus pendant son absence demander le capitaine Basil, me fit comprendre qu'Holmes était en train de travailler quelque part sous un des nombreux déguisements qui masquaient parfois son identité. Il ne me parla pas de ses préoccupations, et il n'était pas dans mes habitudes de forcer ses confidences. Ma première supposition, Fut qu'il se livrait aux recherches les plus importantes. Il était descendu avant moi pour prendre son repas, et j'avais commencé à déjeuner quand il entra dans la salle à manger, le chapeau sur la tête et portant sous le bras, comme un parapluie, un énorme harpon barbelé. Bonté divine, Holmes m'écriai-je. Vous venez de vous promener dans Londres avec cet objet Je suis allé en voiture chez un boucher et j'en sors. Chez un boucher je rentre avec un fameux appétit. Rien ne vaut un bon exercice avant le déjeuner, mais je parie que vous ne devineriez jamais celui auquel je me suis livré. Je n'essaierai même pas. Il se mit à rire et se versa du café. Si vous étiez rentré dans l'arrière boutique d'Allardyce, vous auriez vu le cadavre d'un porc, suspendu par un clou au plafond, et un gentleman en bras de chemise qui cherchait à le traverser avec un harpon. C'était moi qui jouais ce rôle, et je me suis assuré que nul individu de ma force ne pourrait le transpercer d'un seul coup. Vous n'avez pas envie d'essayer Ah non, pour rien au monde. Mais dans quel but avez-vous fait cela Parce que cela me semble avoir un certain rapport avec le mystère de Woodmansley. Tiens, Hopkins, j'ai reçu votre dépêche hier au soir et je vous attendais. Entrez donc. Notre visiteur était un homme de trente ans environ. À l'aspect énergique, vêtu d'un complet sombre, mais ayant dans son attitude je ne sais quoi qui dénote euh, l'habitude de porter l'uniforme. Je le reconnus de suite pour être Stanley Hopkins, un jeune inspecteur de police, sur l'avenir duquel Holmes fondait les plus grandes espérances, et qui, de son côté, professait pour les doctrines scientifiques de Holmes un respect mêlé à la plus vive admiration. Le front d'Hopkins était soucieux, et il s'assit d'un air découragé. Non, merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjeuné avant de venir. J'ai passé la nuit à Londres, où je suis appelé pour faire mon rapport. Et qu'avez vous donc trouvé? Un échec. Un échec complet. Vous n'avez pas fait un pas en avant? Pas un. Vraiment. Il va falloir que je m'en mêle. J'en serais bien heureux, monsieur Holmes. Voilà ma première grosse affaire, et je suis déjà à bout de ressources. Je vous en supplie, donnez moi un coup de main. Eh bien, j'ai déjà lu tous les témoignages, y compris le rapport du docteur qui a fait l'autopsie. À propos, que pensez vous de cette blague à tabac trouvée sur la scène du crime? N'y a t-il pas là une piste à suivre? Hopkins le regarda étonné. C'est la blague à tabac de la victime, monsieur. Elle porte ses initiales. Elle est en peau de phoque, et Peter Carré était, comme vous le savez, un vieux marin. Mais d'accord, mais il ne fumait pas. Nous n'avons pas trouvé de pipe chez lui, c'est vrai, car il fumait très peu, mais il pouvait très bien avoir chez lui du tabac pour offrir à ses amis. Sans doute. Je vous en parle uniquement parce que si j'avais eu à m'occuper de cette affaire, j'aurais été tenté de la prendre comme point de départ de mes recherches. Mon ami, le docteur Watson, n'est au courant de rien, et moi, je ne serais pas fâché de vous entendre raconter à nouveau ce drame. Rappelez-moi les points essentiels. Hopkins tira un papier de sa poche. J'ai inscrit là quelques dates qui vous indiqueront la carrière de la victime, le capitaine Peter Carey. Et il était né en 1845, il avait donc cinquante ans. Très audacieux, il avait obtenu de grands succès dans les pêches du phoque et du requin. En 1883, il commandait un vapeur de pêche, la Licorne, du port de Dundee, et il fit plusieurs voyages heureux. L'année suivante, en 1884, il prit sa retraite et y vaga pendant plusieurs années. Enfin, il acheta une petite propriété du nom de Woodman Lee, près de Forest Row, dans le comté de Sussex. C'est là qu'il vécut pendant six années, et c'est là qu'il est mort il y a huit jours. Sa manière de vivre était pleine de contrastes. À l'état normal, c'était un puritain d'un caractère triste et silencieux. Il vivait avec sa femme, sa fille, âgée de vingt ans et de bonnes. Ces dernières changeaient constamment euh, la place était peu enviable, car Peter Garret s'enivrait assez souvent et quand il se trouvait en état d'ivresse, il devenait un véritable démon. Une fois même, il mit à la porte sa femme et sa fille au milieu de la nuit et armé d'un bâton les poursuivit dans le parc tandis que leurs cris d'effroi réveillaient tout le village. Il fut cité une fois en justice pour avoir frappé avec la dernière violence le vieux vicaire de la paroisse qui était venu lui faire des reproches sur sa conduite. En somme, monsieur Holmes, il était difficile de trouver un homme plus violent que Peter Carré. En navire, c'était tout pareil. On l'appelait Peter le Noir. Ce nom lui fut donné non seulement à cause de son teint basané et de la couleur de sa longue barbe, mais aussi à cause de son caractère et de la terreur qu'il inspirait à tous ceux qui l'approchaient. Il était, bien entendu, détesté de tous ses voisins, et tenu à l'écart par eux. Je n'ai pas entendu un mot de regret sur sa terrible fin. Vous avez certainement lu dans le rapport sur l'autopsie la description de sa cabine, monsieur Holmes, mais peut-être votre ami n'en a t-il pas entendu parler. Il s'était construit dans son parc, à quelque distance de sa maison, une maisonnette en bois qu'il appelait sa cabine, et c'est là qu'il couchait toutes les nuits. C'était une sorte de hutte Formant une seule pièce de seize pieds sur dix, dont il gardait toujours la clé dans sa poche, allant jusqu'à faire lui-même son lit et son ménage. Personne, autre que lui, n'en avait jamais passé le seuil. Cette pièce était éclairée par deux petites fenêtres garnies de rideaux qu'on n'ouvrait jamais. Une de ces fenêtres donnait vers la grande route, et les passants, en voyant en briller la lumière, se demandaient avec effroi à quelle œuvre sombre se livrait Peter Lenoir? C'est cette fenêtre, monsieur Holmes, qui nous a fourni le point de départ de notre enquête. Vous vous rappelez qu'un maçon du nom de Slater revenait de Forest Row vers une heure du matin à peu près, deux jours avant le crime. Il s'arrêta en passant devant la propriété et regarda le carré de lumière qui brillait à travers les arbres. Il a affirmé qu'il avait vu un profil se détacher sur le store, mais que ce n'était pas celui de Peter Carré, qu'il connaissait fort bien. C'était celui d'un homme, à la barbe courte et raide, bien différente de celle du capitaine. Voilà ce qu'il a déclaré, mais il venait de passer deux heures à boire à l'auberge, et il y a une certaine distance de la route à la fenêtre. En outre, ceci se serait passé le lundi, et le crime n'a été commis que le mercredi. Le mardi, Peter Carré était de fort méchante humeur, excité par l'alcool et aussi dangereux qu'une bête sauvage. Il rôda dans toute sa maison, et, en l'entendant venir, les femmes prirent la fuite. Il descendit de sa cabine assez tard dans la soirée, vers deux heures du matin. Sa fille, qui couchait la fenêtre ouverte, entendit dans cette direction un hurlement épouvantable. Mais, comme il arrivait souvent à son père, quand il était ivre, de pousser des cris, on n'y fit pas attention. Une des bonnes, en se levant vers sept heures, constata que la porte de la cabine était ouverte. Mais telle était la terreur qui l'inspirait que midi sonna avant qu'elle n'osât descendre pour voir ce qui était arrivé. Après avoir jeté un coup d'œil à travers la porte, elle s'enfuit, épouvantée vers le village. Une heure plus tard, j'arrivai et prenais la direction de l'enquête. J'ai les nerfs solides, vous le savez, monsieur Holmes, mais parole d'honneur, j'ai été plutôt ému quand je suis entré dans la maisonnette. Des mouches vertes et bleues bourdonnaient avec une telle force qu'on eût cru entendre les sons d'un harmonium. Le parquet et les murs ressemblaient à ceux d'un abattoir. Peter Carré avait appelé cette maisonnette sa cabine, et il avait eu raison. On se serait cru en effet à bord d'un navire. À une extrémité se trouvait un hamac, et un caisson à effet, des mappements, des cartes, un tableau représentant la licorne, une rangée de livres, de bords, bref, la cabine d'un capitaine de navire. Au milieu était étendu le cadavre méconnaissable, dont la barbe se tenait raide, la figure angoissée. Un harpon d'acier avait transpercé sa large poitrine. L'arme avait été lancée avec une telle force qu'elle s'était enfoncée dans la cloison en planches. Il était épinglé comme un papillon sur un carton. La mort avait dû suivre instantanément le cri terrible qu'il avait poussé. Je connais vos méthodes, monsieur Holmes, et je les ai appliquées. Avant qu'on eût touché à quoi que ce fût, j'examinais avec un soin minutieux tout le terrain autour de la maisonnette ainsi que le parquet de la pièce. Il n'y avait pas la moindre empreinte de pas. Cela veut dire que vous n'en avez pas vu. Je vous affirme qu'il n'y en avait pas. Mon brave Hopkins. J'ai recherché bien des crimes, mais jusqu'ici je n'en ai jamais découvert qui étaient commis par une créature munie d'elle. Donc si l'assassin a des pieds, il a dû forcément laisser des traces qui doivent être trouvées, si l'on procède scientifiquement. Il est difficile d'admettre que dans cette pièce remplie de sang, vous n'avez pu trouver une empreinte quelconque capable de nous guider. Il m'a semblé, à la lecture de l'enquête, que certains objets n'ont pas attiré votre attention. Le jeune inspecteur fit la grimace à cette observation de mon ami. J'ai eu bien tort de ne pas vous prier de venir dès le commencement. Il est trop tard maintenant. En effet, il y avait dans la pièce plusieurs objets qui auraient dû attirer mon attention, et notamment le harpon qui avait servi au crime. On l'avait pris à un râtelier fixé au mur, où deux autres étaient encore accrochés, laissant la place vide du troisième. Sur leurs manches était gravée l'inscription SS la licorne d'Andy. Cela paraît démontrer que le crime a été commis dans un moment de colère et que l'assassin s'est servi de la première arme qui lui est tombée sous la main. Cette circonstance que l'assassinat a eu lieu à deux heures du matin et que Peter était complètement habillé semble prouver qu'il avait un rendez vous avec son meurtrier, d'autant plus qu'une bouteille de rhum et deux verres ayant servi se trouvaient sur la table. Oui, dit Holmes, c'est fort plausible. Y avait il d'autre alcool que le rhum dans la cabine? Oui. Il y avait sur le caisson une cave à liqueurs contenant du cognac et du whisky. Mais cela n'a aucune importance car les flacons étaient remplis, et on n'y avait pas touché. Néanmoins, leur présence a une signification, dit Holmes. Enfin, indiquez moi les objets qui peuvent servir de pièce à conviction. Il y avait sur la table cette blague à tabac. À quel endroit de la table? Au milieu. Elle est en peau de phoque et se ferme par une lanière de cuir. Sous la patte se trouvaient les initiales PC. Elle contenait une demi-once de tabac de matelot. Très bien. Rien de plus? Stanley Hopkins tira de sa poche un carnet à couverture grise. L'intérieur était rugueux et indiquait un long usage. Les pages en étaient décolorées. Sur la première étaient inscrites les initiales JHN. Et la date de 1883. Holmes le posa sur la table et l'examina avec son soin habituel, tandis que Hopkins et moi regardions par-dessus son épaule. À la seconde page se trouvaient imprimées les lettres JPR, puis des pages couvertes de chiffres, puis un entête. Argentin, puis un autre. Costa Rica, un autre. Saint Paul, et sous chacun de ces titres des pages couvertes de lettres et de chiffres. Que dites vous de cela? demanda Holmes. Ben, on dirait une liste de valeurs de bourse. J'ai pensé que JHN devait être les initiales de quelques courtiers, et CPR celles de son client. Essayez donc Canadian Pacific Railway. Stanley Hopkins jura entre ses dents et Se frappa la cuisse. Quel imbécile je suis! s'écria-t-il. C'est cela, j'en suis sûr. Nous n'avons donc qu'à trouver les initiales JHN. J'ai déjà examiné les anciennes listes du personnel de la bourse et je ne trouve en 1883 aucune personne dont le nom corresponde à ces initiales. Et pourtant, je suis sûr que c'est la clé du mystère. Vous, vous admettrez que ces initiales peuvent être celles de la seconde personne qui était présente. En d'autres termes, celle du meurtrier. La découverte de ce document ayant trait à des valeurs importantes peut être très utile pour déterminer le mobile du crime. Je lus sur la physionomie de Sherlock Holmes qu'il n'avait pas prévu ce point. J'admets tout cela, dit il. Et ce carnet, dont il n'a jamais été question dans l'enquête écrite, modifie, je le reconnais, l'opinion que j'avais déjà formulée. J'avais mis pour expliquer le crime une hypothèse qui n'est plus de mise. Avez-vous trouvé une trace quelconque des valeurs en question? On s'en occupe dans nos bureaux, mais je crains bien que les registres des actionnaires de ces valeurs américaines ne soient en Amérique et que nous soyons obligés d'attendre bien quelques semaines avant d'arriver à en trouver la trace. Holmes examinait à la loupe la couverture du carnet. Il y a là une décoloration, dit il. Oui, monsieur, c'est une tache de sang. Je vous ai dit que j'avais ramassé ce livre à terre. La tache de sang était-elle en dessus ou en dessous? En dessous. Ce qui prouve que le livre était tombé après le crime. C'est bien là ce que j'ai pensé, monsieur Holmes, et j'en ai conclu que le meurtrier l'avait laissé tomber dans sa précipitation à s'enfuir. Ce carnet était d'ailleurs tout près de la porte. Je pense qu'aucune de ses valeurs n'était la propriété de la victime. Non, monsieur. Avez-vous un motif de croire à un vol? Non, monsieur. À mon avis, on n'a touché à rien. Vraiment, cette affaire est passionnante. Vous avez trouvé un couteau? Oui, un couteau poignard, enfermé dans une gaine. Je l'ai trouvé près des pieds du cadavre. Madame Carré l'a reconnu comme appartenant à son mari. Holmes resta quelque temps pensif. Eh bien, dit-il. Je crois que je ferais bien d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Stanley Hopkins jeta un cri de joie. Merci, monsieur. Cela m'enlèvera un grand poids. Holmes menaça du doigt l'inspecteur. Ma tâche eût été plus facile il y a huit jours, dit-il. Mais cependant, ma visite pourra être de quelque utilité. Si vous avez le temps, Watson, je serai très heureux de vous avoir avec moi. Prenez donc un fiacre, Hopkins, et dans un quart d'heure, nous partirons pour Forest Road. À la sortie d'une halte de chemin de fer, nous fîmes quelques kilomètres en voiture à travers les bois, restes de ces grandes forêts qui permirent de résister si longtemps aux invasions des Saxons, et furent comme une digue qui s'opposa pendant soixante années à ce torrent impétueux. De nombreux espaces furent défrichés, car on y découvrit les premières mines de fer du pays, et l'on dut se servir des arbres pour la fonte du métal. Depuis que les pays du Nord ont accaparé cette industrie, il ne reste plus dans le pays que de larges crevasses, vestiges des travaux du passé. Au milieu d'une clairière, située au sommet d'une colline verdoyante, avait été construite une maison en pierre, longue et basse. On y accédait par une avenue qui serpentait à travers champs. Plus près de la route et entourée de trois côtés par les bosquets, se trouvait une petite construction dont la fenêtre et la porte s'offraient à nos yeux. C'était là le théâtre du crime. Stanley Hopkins nous conduisit alors à la maison, où il nous présenta à la veuve de la victime, une femme à cheveux gris, à l'œil hagard, maigre, le visage ridé, ayant encore au fond de ses yeux rougis un regard terrifié. Elle nous raconta les mauvais traitements qu'elle avait subis pendant de longues années. Une jeune fille, mince et pâle, dont les yeux brillaient d'une sorte de défi, nous dit qu'elle était heureuse de la mort de son père et qu'elle bénissait la main qui l'avait frappée. Peter Carré pouvait se vanter de s'être fait aimer de ceux qui l'approchaient. Nous éprouvâmes une sensation de bien-être en nous retrouvant dans le petit sentier à travers champs qu'avait tracé. À la longue, les pieds de la victime. La maisonnette était exiguë. Elle était construite en bois, avec une simple toiture horizontale. Une fenêtre était placée près de la porte d'entrée. Une autre donnait de l'autre côté. Stanley Hopkins tira une clé de sa poche et se pencha vers la serrure. Quand tout à coup, il s'arrêta, la surprise peinte sur ses traits. Quelqu'un y a touché! Dit-il. Le fait n'est pas douteux. La boiserie avait été coupée, et l'on voyait sur la peinture des éraflures toutes fraîches. Entre-temps, Holmes avait examiné la fenêtre. On a également essayé de forcer cette fenêtre, dit-il, mais sans y parvenir. Il ne devait pas être solide, le voleur. Voilà qui est extraordinaire. Je jurerais que ces marques ne s'y trouvaient pas hier au soir. C'est peut-être quelque curieux du village, dis-je. C'est peu probable. On n'oserait guère entrer dans la propriété et encore moins essayer de pénétrer dans la cabine. Qu'en pensez-vous, monsieur Holmes? Moi, je trouve que nous avons de la chance. Vous voulez dire que la personne reviendra? C'est très probable. Celui qui est venu pensait trouver la porte ouverte. Il a essayé de l'ouvrir avec la lame d'un canif et n'a pas réussi. Que pouvait-il faire? Revenir le lendemain avec un outil plus solide? C'est ce qui me semble, et ce sera de notre faute si nous ne sommes pas là pour le recevoir. Voyons l'intérieur de la cabane. Les traces du drame avaient disparu, mais les meubles étaient restés tels qu'ils se trouvaient durant la nuit du crime. Pendant plus de deux heures, Holmes examina chaque objet, à tour de rôle, mais rien qu'à le regarder, on constatait qu'il n'avait rien découvert. Une fois seulement, il s'était arrêté dans ses constatations. Avez vous enlevé quelque chose de cette étagère, Hopkins? Non, je n'y ai pas touché. On y a pourtant pris quelque chose. La poussière a disparu de ce côté ci. Il devait y avoir un livre ou une boîte à cet endroit. En tout cas, je n'y puis plus rien maintenant. Allons faire un tour dans ces grands bois, Watson, et consacrons quelques heures aux oiseaux et aux fleurs. Nous nous retrouverons ici plus tard, Hopkins, et nous verrons s'il ne nous est pas possible de faire la connaissance de celui qui est venu ici, la nuit dernière. À onze heures du soir, nous établissions notre embuscade. Hopkins voulait laisser ouverte la porte de la cabine, mais Holmes ne fut pas de cet avis, et fit observer que cela éveillerait les soupçons de l'étranger. Holmes décida que nous resterions à l'extérieur, près de la fenêtre, couchés dans le bois, d'où nous pouvions surveiller notre personnage s'il allumait une lumière, et en même temps assister à l'arrivée du visiteur nocturne. Ce fut une veillée longue et lugubre, et nous sentions le frisson qu'éprouve le chasseur à l'affût. Quelle serait la bête sauvage que nous allions apercevoir Quelque professionnel du crime avec lequel il faudrait, pour le capturer, engager une lutte périlleuse, quelques timides chacals, dangereux seulement pour les faibles. Nous nous étendîmes sous les arbres, attendant en silence. Tout d'abord, les derniers pas des passants attardés et les bruits des voix dans le village égayèrent notre veille. Peu à peu, ces sons s'éteignirent, et l'on n'entendit plus rien que de temps en temps les heures qui sonnaient à l'église lointaine ainsi que le grésillement d'une pluie fine qui tombait sur les arbres au-dessus de nos têtes. La demie de deux heures se fit entendre. C'était l'heure la plus sombre de la nuit avant l'aurore. Tout à coup, nous sautâmes en entendant un cliquet métallique près de la barrière. On était entré dans l'avenue. Un silence se fit et je me demandais si nous n'avions pas été victime d'un cauchemar, lorsqu'un pas timide glissa de l'autre côté de la cabine et fut suivi quelques instants après d'un grincement. L'homme essayait de forcer la serrure. Cette fois ci, il fut plus adroit, où ses outils étaient meilleurs, car nous perçûmes un bruit sec, et la porte tourna sur ses gonds. Il fit craquer une allumette, et un instant après l'intérieur de la pièce était éclairé par une bougie à travers le rideau de mousseline, nous examinions la scène. Le visiteur nocturne était un jeune homme pâle et maigre, avec une moustache noire qui accentuait la lividité de son visage. Il ne devait guère avoir plus de vingt ans. Je n'ai jamais vu une créature humaine dans un tel état de frayeur. Ses dents claquaient, et il tremblait de tous ses membres. Il était convenablement vêtu d'un veston à plis, d'une culotte courte, et portait une casquette de drap. Il jetait autour de lui des regards effrayés. Enfin, il posa la bougie sur la table et s'en alla dans un des coins de la pièce, qui le cacha à notre vue. Il revint, portant un des livres de bord qu'il avait pris sur l'une des étagères. Penché sur la table, nous le vîmes tourner rapidement les feuillets, jusqu'au moment où il arriva à l'endroit qu'il cherchait. Alors, avec un geste de colère, il ferma le livre, le replaça dans le coin et souffla la lumière. Il s'était à peine retourné pour sortir de la cabine que Holmes le saisit au collet. Il poussa un cri de terreur en se sentant pris. La bougie fut rallumée et notre prisonnier se mit à trembler sous l'étreinte du détective. Il se laissa tomber sur le caisson et nous regarda successivement avec désespoir. Allons, mon bon garçon, dit Stanley Hopkins, qui êtes vous? Et que faites vous ici? L'homme essaya de retrouver son sang froid. Vous êtes, je pense, des détectives, et vous vous figurez que je suis pour quelque chose dans l'assassinat du capitaine Peter. Ah. Je vous jure que je suis innocent. C'est ce que nous verrons, dit Hopkins. Mais tout d'abord, comment vous appelez vous? John Hopley Nelligan. Je vis Holmes et Hopkins échanger un regard rapide. Que faites-vous ici? Puis, puis-je parler en toute confiance? Non, certainement non. Alors, pourquoi parlerai-je? Si vous ne répondez pas, ce sera mauvais pour vous au procès. Le jeune homme frémit. Eh bien, je vous le dirai, pourquoi pas? Et pourtant, je serais désolé de réveiller ce vieux scandale. Avez-vous jamais entendu parler de Dawson et de je vis à la figure de Hopkins qu'il n'en avait jamais entendu parler, mais Holmes, au contraire, parut très intéressé. Vous voulez parler des banquiers de l'Ouest? Ils ont fait une faillite d'un million et ont ruiné la moitié des familles de Cornouailles. Nelligan a disparu. Précisément, c'était mon père. Enfin nous avions une piste sérieuse, et pourtant il y avait du chemin à parcourir entre la faillite du banquier. Et l'assassinat de Peter Carré. Nous écoutions avec le plus grand intérêt le récit du jeune homme. Ce fut mon père, dit-il, qui fut le seul à subir cette faillite. Danson s'était retiré. J'avais dix ans à cette époque, mais j'étais cependant assez âgé pour ressentir la honte qui s'abattait sur nous. On a toujours affirmé que mon père avait pris la fuite en emportant des valeurs. C'est un mensonge, et il était convaincu que si l'on avait voulu lui donner un peu de temps, il eût pu rembourser tous ses créanciers. Il partit pour la Norvège, à bord de son petit yacht, quelques jours avant qu'un mandat d'amener fût lancé contre lui. Je me rappelle encore la nuit où il fit ses adieux à ma mère. Il nous laissa la liste des valeurs qu'il emportait avec lui, et nous jura qu'il reviendrait quand son honneur serait rétabli, et que personne n'aurait à se plaindre de lui. Nous n'en entendîmes plus jamais parler. Son yacht et lui même disparurent totalement. Nous pensions, ma mère et moi, que le navire avait dû sombrer avec mon père et toutes ses valeurs. Nous avions un homme d'affaires, qui était resté dans notre malheur à un fidèle ami. C'est lui qui découvrit il y a quelque temps que quelques unes des valeurs emportées par mon père avaient été mises en circulation sur le marché de Londres. Vous devinez bien notre étonnement. J'ai passé des mois à en suivre la trace, et enfin, après bien des difficultés, j'ai découvert que le premier vendeur avait été le capitaine Peter Carré, propriétaire de cette cabine. Bien entendu, je fis une enquête sur cet homme, et je découvris qu'il avait commandé un navire armé pour la pêche de la baleine, et qu'il était revenu des mers articles à l'époque où mon père avait fait la traversée de Norvège. L'automne de cette année là avait été particulièrement orageux. Le yacht avait pu être chassé vers le nord et rencontrer le navire du capitaine. S'il en était ainsi, qu'était donc devenu mon père? En tout cas, Peter Carré pourrait me faire connaître dans quelles conditions ces valeurs avaient été négociées sur le marché. Cela me servirait tout au moins à démontrer que mon père ne les avait pas vendus et n'en avait pas tiré profit. Je suis venu en Sussex dans le but d'avoir une entrevue avec Peter Carré, mais je suis arrivé juste au moment de sa mort. J'ai lu la description de sa cabine et j'ai remarqué qu'il y gardait ses livres de bord. Je pensais que si j'arrivais à savoir ce qui s'était passé dans le courant du mois d'août 1883 sur la licorne, je parviendrais à dévoiler le mystère qui entourait la disparition de mon père. J'ai essayé, hier au soir, de me procurer ces livres, mais je n'ai pu ouvrir la porte. Ce soir, j'ai renouvelé ma tentative, et j'ai réussi. Mais j'ai constaté que les pages correspondant à cette époque avaient été arrachées du livre. C'est à ce moment que vous m'avez surpris. Est-ce tout? demanda Hopkins. Oui, c'est tout. Et ses yeux se détournèrent de nous. Vous n'avez donc plus rien à nous dire? Il hésita. Non. Plus rien. Vous n'êtes pas venu ici avant la nuit dernière? Non. Alors, comment expliquez-vous ceci? s'écria Hopkins, en lui montrant le carnet à ses initiales tachées de sang sur la couverture. Le malheureux s'effondra. Il cacha sa figure dans ses mains et se mit à trembler de tous ses membres. Mais où l'avez-vous trouvé? murmura-t-il. Je n'y pensais plus. Je croyais l'avoir perdu à l'hôtel. En voilà assez, fit Hopkins sévèrement. C'est devant les magistrats que vous vous expliquerez désormais. Suivez moi maintenant au commissariat. Eh bien, monsieur Holmes, je vous suis très obligé, à vous et à votre ami, de m'avoir accompagné. Devant ce résultat, je puis dire que votre présence était inutile et que j'aurais pu me passer de votre aide. Je vous ai fait réserver des chambres à l'hôtel Bremblett. Nous pourrons donc faire route ensemble jusqu'au village. Eh bien, Watson, que pensez-vous de cela Me demanda Holmes pendant le voyage le lendemain matin. Mon cher Watson, je suis entièrement satisfait. Pourtant, le système de Stanley Hopkins ne me dirait qui vaille. Je me suis mépris sur son compte. J'espérais mieux de son intelligence. Il faut toujours examiner deux hypothèses, l'une favorable, l'autre contraire. C'est une règle absolue dans une enquête criminelle. Quelle est la seconde dans ce cas? Celle que je poursuis moi-même en ce moment. Elle ne donnera peut-être rien, je l'ignore, mais cependant je la suivrai jusqu'au bout. Plusieurs lettres attendaient Holmes à Baker Street. Il en décacheta une, l'ouvrit, et eut un rire de triomphe. Très bon, Watson, mon hypothèse se confirme. Avez vous un imprimé pour télégramme? Ayez donc la bonté d'écrire deux dépêches pour moi. Summer, courtier maritime, Radcliffe Highway. Envoyez trois hommes pour demain matin dix heures, Basile. C'est là mon nom de guerre là-bas. Passons maintenant à l'autre. Inspecteur Stanley Hopkins, quarante six, Lord Street Brixton. Venez déjeuner demain neuf heures trente, télégraphiez si impossible. Sherlock Holmes. Voilà qui est fait, Watson. Cette affaire me poursuit depuis dix jours. Maintenant, je ne m'en préoccupe plus. Demain, j'espère, nous aurons le dernier mot. L'inspecteur Sunley fut exact au rendez-vous, et l'on commença à faire honneur à l'excellent déjeuner que Madame Hudson nous avait préparé. Le jeune détective était très fier de son succès. Alors, vous êtes sûr de votre solution demanda Holmes. Il me paraît difficile d'avoir une preuve plus complète. Elle ne me semble pourtant... Pas concluante. Hein Vous, vous m'étonnez, monsieur Holmes. Que peut-on demander de plus Est-ce que votre système ne présente pas quelques lacunes Certainement non. J'établis que le jeune Ligan est arrivé à l'hôtel Brandlake la nuit du crime, disant qu'il venait jouer au golf. Sa chambre était située au rez-de-chaussée et il pouvait sortir à volonté. Il descend la nuit même à Woodmanley, voit Peter Carré se prend de querelle avec lui et le tue d'un coup de harpon. Terrifié de ce qu'il avait fait, il prend la fuite, après avoir laissé tomber par mégarde dans la cabine le carnet qu'il avait apporté avec lui pour poser à ce capitaine des questions sur les valeurs qu'il y avait inscrites. Vous avez pu remarquer que certaines d'entre elles, les moins nombreuses, étaient soulignées. Elles correspondaient à celles trouvées sur le marché de Londres. Les autres devaient sans doute être restés en la possession de Carré, et le jeune Melligan, si l'on en croit sa déclaration, désirait les obtenir dans le but de désintéresser les créanciers de son père. Après sa fuite, il n'osa sans doute pas revenir et dut s'armer de courage pour recueillir le renseignement qui lui manquait. Est-ce assez simple Assez évident Holmes sourit et secoua la tête. Il n'y a qu'une objection, c'est que votre hypothèse est absolument impossible. Avez vous jamais essayé de transpercer un corps avec un harpon? Non, n'est-ce pas? C'est pourtant un détail à ne pas négliger, mon cher. Mon ami Watson vous dira que j'ai passé toute une matinée à me livrer à cet exercice. Et ce n'est pas une chose aisée, croyez-le, il faut à la fois un bras solide et une grande habitude. Le coup a été donné avec une telle violence. Vous vous rappelez que la pointe barbelée s'est fichée profondément dans la cloison. Pouvez-vous croire un instant que ce jeune homme si faible ait eu la force suffisante pour accomplir un tel acte? Est-ce là l'homme qui a bu du rhum avec Peter Lenoir pendant la nuit? Est-ce son profil qu'on a vu se détacher sur le store deux nuits auparavant? Non, 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 Hopkins. C'est un homme autrement redoutable que nous avons à découvrir. La figure du détective s'était allongée de plus en plus pendant le discours de Holmes. Il voyait disparaître à la fois ses espérances et ses ambitions, mais il ne voulait pas abandonner la place sans lutte. Vous ne pouvez pourtant pas nier que Nelligan soit venu cette nuit-là, monsieur Holmes. Son carnet le démontre. Je crois bien, quoi que vous puissiez dire, que j'ai assez de charges pour convaincre le jury. Et puis, d'ailleurs, j'ai arrêté mon gaillard, et quant à l'homme redoutable dont vous parlez, dites moi donc où il est. Je crois bien, dit Holmes, avec le plus grand calme, qu'il monte l'escalier. Vous ferez même bien, Watson, de prendre votre revolver. Holmes se leva et posa sur une table une feuille de papier écrite. Maintenant nous sommes prêts, dit il. Des voix fortes s'étaient fait entendre sur le palier, et Madame Hudson ouvrit la porte, annonçant que trois hommes demandaient à parler au capitaine Basile. Faites-les entrer un à un, dit Holmes. Le premier était un petit homme, aux joues rouges, armé de favoris blancs. Holmes tira une lettre de sa poche. Comment vous appelez-vous? James Lancaster. Je suis désolé, Lancaster, mais la place est prise. Voici un demi souverain pour votre dérangement. Passez dans cette pièce et attendez quelques instants. Le second était un homme grand et maigre, aux cheveux longs, aux joues creuses. Il s'appelait Hugues Patins. Il fut également refusé, reçut un demi souverain, et attendit aussi. Le troisième était un homme d'une force herculéenne, une figure de bulldog encadrée par une broussaille de cheveux et de barbe. Deux yeux noirs étincelaient sous des sourcils épais. Il salua et se tint en vrai marin, tournant son béret entre ses mains. Votre nom? demanda Holmes. Patrick Kearns. Harponneur? Oui, monsieur. Vingt-six campagnes. Vous êtes de Dundee? Oui, monsieur. Quel gage demandez vous? Huit livres par mois. Vous pouvez partir tout de suite? Dès que j'aurai mon ballot. Avez-vous des papiers Oui, monsieur. Il tira de sa poche un livret graisseux. Holmes le regarda et le lui rendit. Vous êtes l'homme que je cherche. Le contrat est sur la table. Signez et tout sera pareil. Le marin traversa la pièce et prit la plume. Où faut-il signer demanda-t-il en se penchant sur la table. Holmes s'appuya sur son épaule et passa ses deux mains par-dessus sa tête. Ça y est, dit-il. J'entendis un cliquetis de cadenas et un mugissement de taureaux en fureur. Un instant après, Holmes et le marin se roulaient par terre. Sa force était telle que malgré les menottes que Holmes lui avait si lestement passées, il n'eût pas tardé à assommer mon ami si Hopkins et moi n'étions venus à son secours. Ce fut seulement quand j'eus appuyé le canon de mon revolver sur sa tempe qu'il comprit que toute résistance était inutile. Nous lui attachâmes les pieds avec une corde, et nous nous relevâmes, essoufflés. Je vous dois réellement des excuses, Hopkins, dit Sherlock Holmes, car les eaux brouillés seront sans doute froids, mais vous déjeunerez certainement de meilleur appétit en songeant que cette affaire est enfin terminée à votre honneur. Stanley Hopkins était muet d'étonnement. Je ne sais que dire. Il me semble que je me suis conduit depuis le commencement comme un imbécile, et je saisis maintenant ce que je n'aurais jamais dû oublier, c'est que je suis l'élève et vous le maître. Même à l'heure présente, je vois ce que vous avez fait, mais je ne me rends pas compte pourquoi vous l'avez fait et ce que tout cela signifie. Eh bien, eh bien, dit Holmes avec enjouement, c'est toujours l'expérience qui instruit, et la leçon que je vous ai donnée vous servira. La piste du jeune Nelligan vous absorbait à un tel point que vous n'avez pas eu le temps de songer à Patrick Kearns, le véritable assassin de Peter Lenoir. La voix rude du marin interrompit notre conversation. Voyons, monsieur, dit celui-ci, je ne me plains pas de ce que vous m'avez fait, mais je tiens à ce que vous appeliez les choses par leur nom. Vous dites que j'ai assassiné Peter Carré. Je vous affirme que je l'ai tué. Voilà la différence. Pourquoi ne croyez-vous pas à mes paroles Peut-être pensez-vous que je vous en compte Pas du tout. Holmes. Voyons seulement ce que vous avez à dire. Ce sera vite raconté, et vous saurez toute la vérité. Je connaissais Peter Lenoir, et quand je le vis s'élancer sur moi un couteau à la main, je l'ai transpercé avec le harpon, car j'ai compris que l'un de nous y passerait. C'est ainsi qu'il est mort. Vous pouvez appeler cela un assassinat, peu importe. J'aime mieux mourir la corde au cou que le cœur percé par le couteau de Peter Lenoir. Comment vous êtes vous trouvés ensemble? Demanda Holmes. Je vais vous raconter cela, d'un bout à l'autre, mais donnez-moi une chaise pour que je puisse parler plus facilement. Cela date de 1883, au mois d'août. Peter Carré était capitaine de la licorne, et moi j'étais à son bord en qualité de harponneur auxiliaire. Nous sortions des icebergs cinglant vers l'Angleterre. Nous avions vent debout, et depuis une semaine la tempête du sud faisait rage. Nous rencontrâmes un petit navire. Qui avait été poussé vers le nord. Un seul homme s'y trouvait. Ce n'était pas un marin, et l'équipage, pensant que le navire allait sombrer, s'était enfui dans le canot vers les côtes de la Norvège, et avait dû y périr englouti. Nous prîmes cet homme à bord, et durant la traversée, il eut avec le capitaine de longs entretiens. Tout son bagage consistait en une boîte de fer-blanc. Je n'ai jamais entendu prononcer son nom. Et il disparut la seconde nuit comme s'il n'avait jamais existé. On a dit à ce moment qu'il s'était jeté ou qu'il était tombé par-dessus bord au milieu de la tempête. Un seul homme savait ce qui lui était arrivé, et c'était moi, moi qui avais vu le capitaine lui attacher les pieds et le jeter à la mer, tandis que je faisais mon quart pendant une des nuits des plus noires, deux jours avant d'apercevoir les phares de cette lande. Je gardais mon secret pour moi, attendant les événements. Quand nous fûmes revenus en Écosse, il n'en était plus question, et on n'en parla plus. Un étranger était mort par accident, toute enquête était inutile. Peu de temps après, Peter Carré abandonna le navire, et je passai de longues années avant de découvrir sa retraite. J'avais compris qu'il avait commis le crime pour s'approprier le contenu de la boîte en fer blanc, et je pensais qu'il payerait cher mon silence. Un marin qu'il avait rencontré à Londres me donna son adresse, et aussitôt j'allai le voir pour lui tirer de l'argent. La première nuit il fut très raisonnable, et se montra décidé à me donner une somme suffisante pour me permettre de vivre désormais en repos. Nous devions tout arranger dans la nuit du surlendemain. Quand je revins au rendez vous, il était aux trois quarts ivre et d'humeur massacrante. Nous nous assîmes, Boom et qu'aux âmes du passé. Plus il buvait, plus son regard devenait menaçant. Je remarquai le harpon posé sur le râtelier, et je pensais que le moment viendrait peut-être où je serais dans la nécessité de m'en servir. Enfin sa fureur éclata. Tout en jurant il marcha vers moi, tenant à la main un long coutelas. Mais avant qu'il pût le tirer de sa gaine, je l'avais transpercé d'un coup de harpon. Ciel. Quel cri il poussa. Sa figure me poursuit depuis lors dans mon sommeil. J'en restais là, cloué, tandis que son sang coulait de tous côtés. J'écoutais. On n'entendait dehors aucun bruit. Je m'armais de courage, regardant autour de moi, et aperçus la boîte en fer blanc sur une étagère. J'y avais autant de droit que lui, je la pris, et m'enfuis hors de la cabine. Comme un imbécile, j'ai laissé ma blague à tabac sur la table. Mais voici la partie la plus étrange de mon histoire. À peine étais-je sorti que j'entendis des pas. Je me cachai dans les sous-bois. Je vis arriver un homme qui entra dans la cabine, jeta un cri comme s'il avait vu un spectre et s'enfuit à toutes jambes. Qui il était, ce qu'il voulait, je ne saurais le dire. De mon côté, j'ai fait dix miles dans la nuit pour aller prendre le train à Tombridge Wells et je suis rentré à Londres sans difficulté. Lorsque j'examinais la boîte, je constatais qu'elle ne contenait pas d'argent, mais seulement des papiers que je n'aurais jamais osé vendre. J'avais perdu tout espoir de m'enrichir, et je me trouvais sans un sou sur le pavé de Londres. Il ne me restait que mon métier pour vivre. Je vis ces annonces, demandant des harponneurs auxquels on devait donner des gages importants, et je suis allé à l'agence qui m'a adressé ici. Voilà tout ce que je sais, et je termine en affirmant s'il est vrai que j'ai tué Peter Lenoir, la justice devrait m'en être connaissante, car je lui ai fait économiser le prix de la corde. Voilà une déposition très claire, dit Holmes, se levant et allumant sa pipe. Je crois bien, Hopkins, que vous ne feriez pas mal de faire conduire votre prisonnier dans un lieu plus sûr. Cette pièce ne peut servir de chambre de sûreté, et M. Patrick Kearns prend beaucoup de place dans l'appartement. Monsieur Holmes, dit Hopkins, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Encore maintenant, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à ce résultat. Tout simplement parce que dès le début, j'ai trouvé la bonne piste. Si j'avais eu connaissance de la découverte du carnet, peut-être aurais je pu m'égarer comme vous. Mais tous les détails que j'avais convergeaient vers le même point, la force herculéenne, l'adresse dans le maniement du harpon, le rhum, la blague en peau de phoque, le tabac lui même, tout cela dénonçait le matelot. J'étais convaincu que les initiales P. C. inscrites sur la blague, étaient une pure coïncidence et non celle de Peter Carré, puisqu'il fumait rarement et n'avait même pas une pipe dans sa cabine. Vous vous rappelez que je vous ai demandé s'il y avait du whisky et du cognac dans la cabine. Vous m'avez répondu affirmativement. Il n'y a que des marins pour boire du rhum, quand il y a d'autres sortes d'alcool dans la maison. J'étais sûr que ce ne pouvait être qu'un matelot. Mais alors, comment l'avez-vous trouvé? Le problème était très simple, mon cher Hopkins. Si c'était un matelot, il devait être un de ceux qui avaient été avec lui sur la licorne, car il n'avait jamais commandé un autre navire. J'ai passé trois jours à télégraphier à Dundee. Au bout de ce temps, j'avais obtenu le nom de tous les hommes de l'équipage de la licorne en 1883. Quand j'ai su que Patrick Kearns était au nombre des harponneurs, mes recherches étaient presque terminées. J'ai réfléchi que l'individu devait être à Londres, et qu'il ne demanderait pas mieux de quitter le pays pour quelque temps. J'ai passé plusieurs jours dans les taudis de Londres, comme si je voulais recruter un équipage en vue d'une expédition arctique, promettant des gages très élevés aux harponneurs qui voudraient servir sous le commandement du capitaine Basile. Vous avez vu vous-même le résultat. Merveilleux! s'écria Hopkins. Il faut obtenir le plus tôt possible la mise en liberté du jeune Nelligan, dit Holmes. Vous ferez même bien de lui adresser des excuses. Il conviendra aussi de lui remettre la boîte de fer-blanc. Quant aux valeurs que Peter a vendues, elles sont certainement à jamais perdues. Ah! Voici le fiacre qui arrive. Vous pouvez emmener votre gaillard, Hopkins. Si vous avez besoin de moi au cours du procès, je serai sans doute avec le docteur.